Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Pirates des Cubouis 2, c'est la saison 10 de Minecraft Hardcore, avec quelques informations à donner juste avant de commencer. La première, vous le voyez, ça y est, c'est totalement fluide. Voilà, on a rencontré quelques soucis de fluidité à la fin de l'épisode 2. Il y avait un petit bug sur la carte, sachez que Toddy a réussi à le résoudre et je le remercie et je le salue au passage. Donc tout va bien, ça y est, on devrait retourner sur une carte totalement fluide. Ça, c'était la première information. La seconde information, bah écoutez, à la limite, je vais peut-être pouvoir sortir en même temps que je vous parle. Bibliothèque par là. Ok, très bien. La seconde information, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont acheté le webzine de Minecraft Hardcore numéro 12 qui est sorti. Épée volée. Ah tiens, regardez ça, parfait. Première épée en bois. Alors le problème, c'est que je vais pas les prendre. Je vais pas les prendre, quoi. Attendez. Épée volée numéro 1 sur 10. Bon, on va dire que je l'ai trouvé. Ouais, on va dire que je l'ai trouvé. Je vais pas la prendre parce que sinon je vais m'encombrer avec 10 épées et là on va vraiment plus s'en sortir. Par contre, aïe. J'avais un coffre dans mon bateau, j'aurais pu les poser, c'est pas possible ça. Vous savez quoi? J'ai tellement d'exploration à faire dans cette carte, dans cette première île. On va sûrement y rester environ 5 épisodes. Que ce serait dommage. Oula, attention, il y a plein de pirates ici. Ce serait dommage de s'encombrer dès le début. On va retourner dans notre bateau. Et on va poser tout ça dans la cale. Normalement, si je me trompe pas, je dois avoir une cale dans mon bateau. Hop, et hop là, plouf. Yes, nickel. Donc je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont acheté le webzine Minecraft Hardcore numéro 12. Parce que ça nous permet vraiment de financer tous nos serveurs de création de cartes. Et voilà, tiens, je vais rapprocher le bateau, j'en profite. Donc voilà, celui-ci est disponible sur notre site web www.minecraft-hardcore.fr. Et c'est vraiment sympathique à toutes les personnes qui nous aident. Allez, on va le mettre là. Oh là 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 là, c'est chaud là, c'est chaud les marrons parce qu'on a des... Putain, je me fais canarder en plus. Non, non, laisse-moi te taper toi. Laisse-moi te taper, je t'ai dit. Laisse-moi te taper. Putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai que c'est pas vrai. Tu vas me forcer à prendre du rhum dès le début. Voilà, parfait. Bon, eh ben Yank, c'est pas glorieux tout ça. C'est pas glorieux, on a pas mal de pirates invincibles là. Ils sont invincibles tant qu'il ne fait pas jour. La nuit, ils sont totalement invincibles. On peut pas les tuer, donc il faut vraiment que je me méfie. Oh là là, c'est pareil, il y a un squelette ici. Et puis j'ai pas de bouffe. C'est assez critique cette histoire. On va bouffer du poiscaille. On va bouffer du poiscaille. Allez, on y va. Hop, voilà, pour remonter la barre de faim. Le squelette, tu veux pas lui tirer dessus, là? Ça aurait été sympa de lui tirer dessus. Mais apparemment, t'as pas envie. Laisse tomber. Je vais te prendre par en dessous. Hop. Tu veux pas crever un peu, là? Allez, crève. Ne me tire pas dessus. Voilà, super. Bon, la cale du bateau. La cale du bateau. La cale du bateau. Voilà, cale. C'est la touche G. Donc ici, dans la cale du bateau, je peux poser tout un tas de trucs. On va donc poser un peu tout ce qui ne me sert à rien, en espérant ne pas me faire agresser par derrière. J'ai mon diamant ici, il faudra pas que je l'oublie. Voilà, évidemment, pile poil quand je dis ne pas me faire agresser par derrière, je me fais agresser par derrière. Te barre pas le bateau, te barre pas, il s'en va, putain. La vache, il a vu qu'on se faisait agresser, du coup il se barre. J'ai... Oh là là là, quel début chaotique. Donc ça, le bois, je le garde, la pierre, je le garde, la canne à pêche, je la garde évidemment. Le charbon, je le garde, le lapis, j'en ai pas besoin, la bouffe. Périmé, je vais la garder aussi, on sait jamais. Ça, je le garde. Le casque, ossement, les minerais. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal de... Bon, attendez, on va quand même mettre ça, parce que j'en ai pas vraiment besoin. Tac, 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 tac. Ça devrait être bon. Ok, allez, cette fois-ci, c'est parti. On peut visiter l'île. Ouais, c'est important de le faire. Alors, je disais pas mal d'informations à donner. Un capitaine ici, on va essayer de l'éviter. Ah oui, il faut que je trouve des médaillons. Tiens, je vais voir si lui en donne pas. Je rappelle que j'ai les défis de rythme qui ont été imposés par mon équipe dans cette saison. Tous les 5 épisodes, je dois faire un défi. Et donc, avant le 5e épisode, je dois avoir trouvé 10 médaillons et les donner à un clochard. Voilà mon objectif. Sinon, je devrais m'infliger une pénalité, donc ce serait dommage. Donc, il faut absolument que je trouve 10 médaillons. Par contre, j'espère vraiment que je vais en trouver, quoi, des médaillons. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils en donnent tant que ça. Mais t'as combien de points de vie, toi? Mais meurs un peu, là. Allez, meurs un peu là. Ah bah ça va, tu m'as donné du rhum. C'est pas rien. J'ai le défi aussi, il faut que je rentre dans l'église avec une fleur à la main. Ça on va le faire. Oh là, il faut absolument que je trouve des médaillons.
Faut absolument que je trouve des médaillons. C'est les défis stupides cette fois-ci. Je dis, il y a un tas de défis. Là. Il y a un tas de défis. Regardez le PDF de présentation de cette saison. Regardez la vidéo de présentation et voilà, vous serez au courant un peu de tous les défis que je dois accomplir dans celle-ci. Tiens, là-bas, on a des corsaires, c'est pas fait. Ah, je pensais qu'ils étaient plus proches. Il y en a pas qui veulent me donner des médaillons un peu là. Viens là, toi. Je t'ai vu. Ouais, t'es bloqué là-haut. Putain, c'est pas vrai, quoi. Il va falloir que je trouve des médaillons, un de ces quatre, quand même. Bon, allez, cette fois-ci, on y va. On y va, on y va. Donc, j'ai trouvé une épée en bois, c'est parfait. Un petit ouistiti à droite, tiens. Le petit ouistiti. Est-ce que tu prends le melon, le ouistiti? Je sais que je peux l'apprivoiser. Ah, attends, il y a un perroquet. Dégage, le perroquet. Oh, je t'ai désossé. Hop. Non, tu prends pas du melon si je te le jette à la gueule. Et prends le melon. Et ça, barre-toi, je te dirai rien. Prends. Je rappelle que je dois apprivoiser un ouistiti, mais j'y arriverai jamais. Quoi. Hop. Ouh là là, j'ai eu quelques lags. Tiens, il y a une porte qui est déglinguée ici. Ah non, me dis pas que ça relague encore, c'est pas vrai. J'avais réussi à résoudre le problème. Me dis pas que ça lag. Attendez, je vais revenir parce que là, ça lag un peu. C'est pas jouable. Hop, me revoilà. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Bah du coup, pendant ce temps-là, évidemment, il y a plein de pirates qui ont pop. Allez, donne-moi un médaillon, s'il te plaît. Oh là là, mais il me donne pas de médaillon, c'est pas possible, on va pas y arriver. Eh, mais il m'a balancé un boulet de canon à la tronche, lui. Mais t'es pas un peu taré? Donne-moi des médaillons. Mais donnez-moi des médaillons, les gars. Hop, ouh là là là, ils me tirent dessus avec leur baïonnette. Ah, il m'a donné du rhum. C'est sympa, mais bon, je veux des médaillons, moi. Bon, voilà, j'ai pas mal d'explorations à faire. Il faut que je rentre dans la cathédrale, on va y aller aussi. Oh là là, tout ce que j'ai à faire, c'est hallucinant, quoi. Encore du rhum. Et voilà, et encore ma barre de faim qui est trop basse. Si je mange du melon, est-ce que ça restaure ma barre de faim? Je découvre le melon, moi. Ouais, super, le melon qui restaure que dalle, quoi. Bon, c'est toujours de la bouffe, c'est pas grave. Alors, chez Salami, l'ami de toutes les souris. Mais bien sûr, donne-moi de la bouffe. Même si c'est des souris à manger. Vers la cave à vin. Oh purée, j'ai trouvé l'entrée secrète qu'il fallait. Vers la cave à vin. Génial. Oh, toutes ces bouteilles de vin, c'est bien dessiné. Oh, c'est un Foukov, c'est un Mamaïk. Oh, je me suis fait avoir. Mais non, j'ai même pas eu droit à une petite bouteille. Sniff. Bon, tant pis. C'est pas grave. J'ai mon stock de rhum, vous le voyez, j'ai 10 bouteilles de rhum. Avec ça, je suis tranquille. Toujours à consommer avec modération, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Interdit aux personnes ayant un 4 dans leur pseudo. Excellent. Mais pourquoi je veux y aller, moi? De toute façon, il n'y a même pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée? Ah, bah c'est la cave à vin. Ok. Bon, allez, on va accomplir le défi de stupidité qui, je rappelle, consiste à rentrer dans cette cathédrale avec une fleur à la main pour symboliser mon mariage. Voilà, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Tintin, 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 tintin. Ah! Un faux coffre. Dégage. Bon, ben voilà, mission accomplie. Mission accomplie. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Encore des faux coffres? Encore des faux coffres. Défi, défi stupide. Oh, il y a plein de statues, génial. Je rappelle que sur chaque île, j'ai un défi stupide à accomplir. Alors, voyons voir ça. Petit, petit. Ah, plein de bois. Ah, génial, ça je prends. Ça fait plaisir. Enfin, quelque chose d'intéressant. Là-dedans, oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu comme faux coffre? Encore des coffres, des faux coffres, des faux coffres. Il doit y avoir des passages secrets là-dedans. Ça sent le passage secret. Ça sent l'astuce. On m'a dit qu'il fallait tout lire pour être en bonne santé. C'est qui lui? Pimpri cache souvent des secrets entre ses jambes. attendez, on va éclairer. Hop. Ils sont tous fous, surtout l'autre qui chante. Un jour, on m'a dit, et toi, assis-toi. Je ne vois plus rien. J'aimerais tellement être à sa place. Pauvre iPlay, je vous le dis. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oh, il y a des coffres. Il y a des coffres, il y a des statues. On va aller explorer un peu tout ça. Ça va vraiment être une saison qui va durer très longtemps parce que j'ai envie de tout explorer cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Mike. Oh, des bonnes fleurs. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Ah, des pépites d'or. Des pépites d'or qui vont nous permettre de se crafter une... Une pomme en or, si je dis pas de bêtises. On va essayer ça tout de suite. Alors, voyons voir ça. Normalement, j'ai une pomme. J'ai des pépites. J'ai appris ça grâce à Mamie Pétou dans le tome 3. Merci, Mamie Pétou. Hop, une pomme en or. Merci, Mamie Pétou. J'espère la retrouver, d'ailleurs, Mamie Pétou, dans cette saison, qui donne de bons conseils. Elle m'avait aidé
à faire des crafts dans le tome 3, I play for you. Quoi? Oh, allez, c'est abusé, regardez ça. C'est pas une épée en diamant cheatée, elle est quasiment morte. Elle est quasiment morte, tiens, on va la changer. Oh, épée en diamant cheatée quasiment morte. On va la garder quand même au cas où ici. Mais je crois qu'il reste un seul coup. Un seul coup. Bon, ben, c'est bien pensé quand même. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Devine. Devine quoi? Fait que je devine un truc. Mike, I play for you, devine. Devine? Bah ça c'est des coffres tout pourris, ça. Ça c'est des coffres tout pourris à la Mister X quoi. Mettre le CD dans la boîte musique, les noces noires d'iPlay. Disque musique, disque de musique. Ah. Parfait. Je rappelle que ça fait partie de mes objectifs, je crois. Je vais regarder. Oh, purée, j'ai eu peur, j'ai cru entendre un bruit. Je regarde un peu mes objectifs vite fait. Les 5 disques pirates, ouais, c'est ça. J'ai dans cette saison 5 disques pirates à trouver. J'en ai trouvé un, vous le voyez. Il y en a 5 qui sont éparpillés sur la carte. Il faut que je les trouve. Il est où le jukebox? Oh, sale ma Mike, dégage. Hop, alors, nous sommes ici pour célébrer le mariage d'I Play For You, ici présent, et de Mike, le cochon d'Inde de Zoophilie. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais. Curé. Ouh, du poisson, merci le curé. Par contre, il est où le bloc de musique, c'est ça? On va essayer, hein. Ça m'étonnerait, ça ressemble pas à un truc de musique, mais bon. Ah si. C'est une musique de mariage, ça. Je sais pas si vous entendez quelque chose, mais moi j'entends rien. Dégage. On va peut-être essayer un autre CD, tiens. Bon, allez, hop. Un disque de trouver. Ouh, il y a un perroquet qui va m'agresser sauvagement. Je t'ai entendu, le perroquet. Putain, mais c'est mon mariage, tu peux pas me foutre la paix. Mais t'es increvable en plus, le perroquet. Non, ça n'a pas l'air de marcher, les CD de musique. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, tant pis, allez, on se casse. On se casse, je sors. Salut tout le monde, merci pour cette formidable église. Tiens, regardez ça, il y a un pirate tout là-haut. Elle est magnifiquement designée. Hein. Elle est magnifiquement designée. Je vous dis, dans cette saison, je vais vraiment prendre le temps de tout regarder. On va regarder les statues, tiens. Disait Fer, le architecte. Nous avons Mister X, l'esclave. Ici, ça doit être Jolly Rouge, ça. Jolly Rouge is back, ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pimpri. Salut Pimpri. I play for you, c'est moi, ça? Ouais, plus ou moins. Et on a Mike, le cochon d'Inde. Hop, une épée. Parfait. Bon, ben voilà. On va arrêter là la première partie de cet épisode. Et évidemment, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Je vous rassure, on va continuer l'exploration de cette cathédrale. Il y a un truc, là. Regardez ça, il y a un truc ici, là. Pourquoi? Ça va pas de me faire peur en sautant dessus comme ça, là. Non, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien ou il y a un truc? On va le casser, le bloc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est différent des autres. Il est différent. Et du coup... on va le casser. Bah non, il n'y avait rien. Ok, allez, on enchaîne tout de suite avec la seconde partie de cet épisode pour continuer l'exploration de cette immense ville. Allez, à tout de suite.